Politique avec la désillusion de Safia Autocoré. On évoquait récemment ici même le parcours rapide de cette jeune femme d'origine somalienne au Parti Socialiste, parcours présenté comme exemplaire. Eh bien la belle histoire tourne au vinaigre. Le maire d'Auxerre qui en avait fait son adjointe l'a déchargé de ses fonctions. Il se dit déçu par son absentéisme et son comportement. Safia Autocoré, elle, dénonce des jalousies et plusieurs femmes têtes d'affiche du Parti Socialiste sont venues de Paris aujourd'hui pour la soutenir. Reportage Jeff Wittenberg, Thierry Breton. Safia Autocoré n'a plus de bureau à la mairie d'Auxerre, mais elle y reçoit encore son courrier. Et en venant le chercher, ce matin, drôle de hasard, elle tombe sur celui qui lui a retiré ses pouvoirs. Ça, c'est bien. Le maire de la ville, ils se croisent sans un regard. Le temps est bien loin où, en campagne électorale, la jeune femme originaire de Djibouti, Safia, modèle d'intégration républicaine, était un atout pour le maire, un atout de charme. Une jolie photo et voilà, il voulait que je ne la ramène pas, que je ne donne pas mes convictions, que je ne donne pas mes opinions. Et que voilà, non. Et pour dire non, elles aussi, un groupe de femmes du PS a donc décidé de faire le déplacement aujourd'hui, depuis Paris, en minibus. Voyage organisé, à l'arrivée, Safia Autocoré les accueille, mais c'est au maire, traité de sexiste, qu'elles sont venues dire ces quatre vérités. L'ambiance est tendue dans la salle, d'autant que le maire maintient son jugement sur son ancienne adjointe. C'était non seulement un boulet, mais ça commençait à porter du discrédit à la fois sur l'équipe, sur l'action que je conduis, et sur moi-même. On peut être mère et mère de famille aussi. Qui a raison? Pour justifier son éviction, Safia Autocoré se voit reprocher certaines déclarations homophobes et racistes contre des élus, et aussi son manque de compétences. Des gens incompétents, vous savez ce que disait Françoise Giroud, hein, le jour où on nommera une femme incompétente à un poste de responsabilité, ça sera la parité. Safia Autocoré est un symbole qui doit être défendu. Ses camarades sont allés le dire ce soir à François Hollande. Après avoir dénoncé les sarcasmes qui avaient accueilli la possible candidature de Ségolène Royal, les femmes du PS sont décidées à ne pas se laisser faire.